Hello les jolis cœurs et bienvenue pour une nouvelle méthodologie de tirage. Alors c'est pas vraiment une méthodologie en soi parce que franchement ce n'est qu'une simple question à trois cartes. Voilà, vous pouvez prendre un oracle, un tarot ou encore un autre type de jeu sans problème, ce que vous maîtrisez le mieux, j'ai envie de dire. Et c'est une question qui, je trouve, est très pertinente et c'est pour ça que je voulais la présenter en tirage. Moi, je l'ai fait pour moi, donc je vais vous montrer, je vais vous dévoiler, mes réponses. Voilà. Des fois je le fais, des fois je le fais pas, et bien parce qu'effectivement je ne partage pas toute mon intimité non plus dans les tirages, ou des fois j'ai oublié aussi les cartes que j'ai tirées, j'ai pas noté, bien que la plupart du temps je note, mais voilà. Donc ça dépend un peu. J'espère en tout cas que vous êtes heureux de retrouver un nouveau tirage. J'essaye de varier un petit peu les vidéos sur la chaîne en faisant des tags, en faisant des méthodologies de tirage, etc. J'espère que ça vous plaît, cette diversification en tout cas. Et donc cette question, c'est quel type d'amour sont toxiques pour moi? Et vous pouvez donc les mettre au pluriel puisque vous pouvez tirer trois cartes et voir les trois différents. Il y en a peut-être plus, mais bon, on va déjà s'arrêter là. Hein? Quel type d'amour sont toxiques pour moi? Alors quand je dis les types d'amour, on sait tous très bien que ça peut être au niveau des relations de couple, mais aussi des relations familiales, des relations amicales, des relations avec les collègues. Des fois, on a ce... Voilà, on porte de l'amour pour chacun d'entre eux, mais eux, comment portent-ils cet amour vers nous? Et qu'est-ce que l'on a à éviter, hein? Et donc voilà, moi je vais vous montrer mes cartes. Donc la première, on a le fou. J'espère que vous voyez bien. On a le fou. Voilà. Et en fait, un des types d'amour qui est toxique pour moi, eh bien, vous savez, ce sont ces amours naïfs qui n'ont aucune consistance, qui ne savent pas où elles vont, qui ne prennent pas leurs responsabilités, parce que le fou, on le sait très bien, il n'a pas grand-chose avec lui et il s'en fout, c'est quelqu'un qui s'en balance. Et moi, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui s'en fout, qui s'en balance, qui est complètement à la ramasse, qui prend pas ses responsabilités dans un couple, etc. Ça ne m'intéresse pas, que ce soit en amitié non plus, ce ne sont pas des personnes qui m'intéressent et ce sont donc pas des un, ce n'est pas un type d'amour que j'apprécie évidemment. Alors ça c'est clair et net, mais bon je le savais déjà hein, mais c'est bien de se mettre face à ça, je trouve. C'est pour ça que je vous partage du coup ce tirage. Alors un autre type d'amour qui est toxique pour moi, on a le 5 d'épée. Clairement, voilà, toutes les personnes qui sont déloyales ou qui cherchent le conflit, qui veulent faire leur malin, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, qui veulent se montrer, voilà, regarde-moi, je sais faire ça, je t'ai battu, même si c'est pas d'une manière très loyale, c'est pas grave. Ce genre de personnes qui se croient un peu supérieures, ça ne m'intéresse absolument pas. Pour ça, moi, je prends le bateau qui est derrière et je me casse. Voilà. Alors ensuite, un autre type d'amour qui est toxique pour moi, et ça a été un peu plus étonnant, mais voilà, c'est l'as de coupe. Alors après, j'ai très vite compris, j'ai vraiment eu très vite la réponse, mais sur le moment, je me suis dit, ah bon? Et en fait, c'est tout simplement ces amours, vous savez, qui sont trop dépendants de l'autre personne. Toutes ces personnes qui sont très collantes, très étouffantes, qui sont trop gnangnans, qui parlent d'une manière trop enfantine, qui s'accrochent à vous et qui sont jaloux dès la moindre petite chose, etc. Oh non, c'est pas du tout le type d'amour que je veux. C'est trop, voilà, c'est trop tout simplement. C'est vraiment le côté too much de l'as de coupe, avec trop de débordements d'affection, etc. Alors autant j'aime hein, qu'on me montre l'amour qu'on me porte, peu importe quel type de relation c'est, mais je veux dire quand c'est too much, ben c'est too much, c'est de trop, voilà, tout simplement. Voilà, donc moi je vous ai donné comme ça du coup un peu
mon exemple. Si vous avez envie de partager en commentaire, n'hésitez pas hein, à partager aussi vos cartes. Ça me fait plaisir de vous lire. Après, si c'est trop intime pour vous, vous pouvez garder ça pour vous, il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère qu'en tout cas que ce tirage à trois cartes ben, vous a fait plaisir et vous aide un petit peu à vous retrouver finalement par rapport à ces amours toxiques. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux!